Un mot si banal et pourtant interdit. Maria Borello, la nourrice des enfants de Kate Middleton et du prince William, a été à la fameuse école Norland College où sont formés les nounous destinés à travailler dans les familles de haut rang. Une école où elles apprennent à tout faire de la meilleure des manières pour que l'éducation des enfants soit parfaite. Ainsi, un mot est interdit pour le bien des enfants et il ne doit être prononcé ni devant eux, ni même plus largement dans le cadre du travail lors de discussions avec les parents. Ce mot, si est-il le mot, kids, traduisez enfant, raconte Louise Aaron qui a pu suivre les élèves de cette école pendant un an dans le cadre d'un documentaire. Selon la formation que Maria Borello a suivie, le mot enfant est rabaissant. Il vaut mieux au contraire les appeler par leur prénom afin de les traiter comme des personnes à part entière. Le mot enfant est banni. Si est-il une marque de respect pour eux en tant qu'individus, confie Louise Hélène Mirror. Mais pour elle, au-delà de cette règle, il n'y a rien de bien spécial dans la vie des enfants comme Georges, Charlotte et Louis. J'ai parlé à des nounous qui ont travaillé pour des familles royales et leur vie semble plutôt normale pour ces enfants. Tu te lèves, manges le petit déjeuner, vas à l'école, tu portes l'uniforme de l'école que tu l'aimes ou non.